Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo coloriage avec la présentation des livres Disney que j'ai pu trouver, les méga colors que j'ai pu trouver chez Action. Donc, j'en avais acheté un, celui-ci, que je vous ai montré, il me semble, en vlog. Au départ, je voulais juste vous les montrer dans le haul spécial coloriage que je voulais faire, mais on va se faire un petit concours à la fin, puisqu'il y en a un où je me suis trompée, j'ai pris deux fois le même au lieu de prendre un différent. Donc, voilà. Alors, les livres sont à 1,99€. C'est pas marqué le nombre de coloriages qu'il y a dedans, mais il y en a déjà pas mal. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour mon marque-page, pour protéger mes feuilles entre elles. Je suis en train d'en faire un, un double. Je vous spoil. Voilà, La Belle et la Bête, et puis il y aura Gaston, j'ai fait en même temps. Par contre, L'Idée des Strass, c'est très beau, mais c'est un peu la misère pour fermer le livre. Faites ça que sur une page, en fait, pas sur les deux. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces livres? Vous avez des très beaux dessins, c'est à chaque... Enfin, non, pas à chaque fois. Vous avez ici plusieurs personnages, donc on retrouve... tout ce qui est Aladdin, La Belle et la Bête, il y a Maléfique, il y a La Petite Sirène, Réponse, c'est ceux qui sont marqués dessus. Il y a un petit peu de Tiana dedans. Je crois que c'est un peu... Ah, il y a Rebelle aussi, voilà. Et à chaque début de livre, vous avez une feuille de stickers. Voilà, en rapport avec ce que vous trouvez dans le sur la couverture principalement. Non, il y a Tiana ici, donc c'est à l'intérieur aussi. Il y a Mulan aussi, maintenant que j'y pense, parce que j'ai fait Mulan pour Amy. Vaiana, il y a Vaiana dedans, donc voilà. Il y a Réponse et Vaiana, c'était déjà mes deux préférés. Il y a Maléfique, qui est ma troisième préférée, mais en vilain. Alors, on a couru exprès chez Action en France, on a été cette fois-ci pour trouver les autres, mais il y a une multitude de sortes. Ils ne sont pas tous dans les magasins, mais si vous regardez sur Internet, Megacolor Action, il y en a plein de différents. Là, il y en avait un spécial carte. Il y avait Spider-Man aussi, rien à voir avec les Disney, mais c'est dans la même gamme. Il y avait un spécial Cars, donc là, je ne l'ai pas pris. Il y avait Mickey et Minnie aussi. Enfin, donc, il y a Donald, Daisy, Pluto, Dingo, tout ça. Je ne l'ai pas pris non plus parce que c'est un peu plus enfantin. Ils sont à 1,99€. Donc, comparé à ceux qu'on retrouve sur Amazon, ils sont vachement moins chers. Maintenant, ils sont vachement moins détaillés aussi puisque c'est juste le personnage, quoi. Vous voyez, bon, ici, c'est un spécial Stitch. Obligé. Donc, il n'y a que Stitch. Dans celui-ci, il n'y a que Stitch. Toujours les stickers au début et voilà. Vous allez voir le feuilletage juste après. Il y a Stitch et tous les personnages de Stitch. Maintenant, ce qui est... Alors, je vais vous montrer dans le premier. Ce qui est un peu chiant, mais plus dans le premier que dans les trois autres là, que je viens d'acheter, c'est le dessus, enfin le tour des dessins. C'est le même partout, donc, sur chaque page. Et voyez, ici, je ne sais pas si vous voyez bien avec les éclairages, mais voilà, c'est beau quand on le fait une fois, deux fois. Après, je me suis amusée à les camoufler parce que, vous voyez, ici, on ne le voit plus, j'ai mis de la peinture. Ici, je l'ai caché comme ça pour faire juste des silhouettes. Mais voilà, c'est pas très joli, quoi. Tandis que sur les trois que je viens d'acheter, là... Sur celui de Stitch, c'est celui-là, donc c'est le même sur toutes les pages, on est d'accord, mais c'est en lien avec le... Vous n'avez pas les mêmes fleurs, par contre, sur les deux pages, je vois que c'est pas les mêmes fleurs ici. C'est une suite, je pense. Enfin bref, voilà. C'est plus joli parce que vous pouvez toujours les camoufler avec de la peinture, s'il y a déjà moins camouflé. C'est pas en forme d'arrondi, donc si vous voulez juste faire un cadre carré, c'est plus facile. Et vous pouvez soit les laisser en noir et blanc comme ça, ou même repasser dessus avec un stylo doré, enfin n'importe quoi. Donc le Stitch, j'adore. Ryan, je viens. J'ai pris celui-ci. Alors il y a Simba, Nemo, Bambi, Alice au Pays des Merveilles. Et ça, c'est, comment est-ce qu'il m'a dit, Georges, Alerte rouge, un truc comme ça.
C'est avec le gros panda roux, là. Je connais pas du tout. Je ne connaissais même pas les personnages. Il y a un petit peu des indestructibles, vice-versa. Oh, ça, j'adore. Il y a un petit peu d'Elsa. Il y a la fée Clochette. J'ai enfin un dessin de la fée Clochette. Il y a Ralph, le monde de Ralph. Là, il y a Vanellope. Il y a un petit peu de Mickey. Il y a un petit peu de tout, en fait. Ah, il y a beaucoup, par contre, Zootopie. Ça, c'est un peu moins cool. Mais là, pareil, la banderole, elle est super jolie, super simple, plus facile à camoufler, avec des petites têtes de Mickey, comme ça, des arabesques avec des têtes de Mickey. Donc, j'aime beaucoup. Je ne vous ai pas montré les stickers. Je crois pas. Je ne sais plus. Voilà. Et le dernier, j'ai repris un princesse. Avec Ariel en couverture, donc il y a de nouveau Rebelle, il y a de nouveau Blanche-Neige. Dans le premier, il y a Blanche-Neige aussi, Jasmine, parce que c'est les princesses, quoi. Donc je vous montre les stickers. Voilà. Chose qui, moi, ne me sert pas vraiment. Et la banderole est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est sublime. Et elle va bien avec toutes les princesses. Donc, bah, je vois qu'il y a Pocahontas aussi, Réponse. C'est à peu près les mêmes. Mulan encore. Vaiana, Tiana. Voilà, c'est les mêmes princesses. Sauf que c'est Rebelle. C'est des dessins différents. Après, il peut peut-être potentiellement y avoir deux fois le même par rapport au premier. Mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. Je regarde ce qu'il y a d'autre. S'il y en a d'autres que j'ai pas. Cendrillon. Aladdin. La Belle au bois dormant. Ouais, voilà. Il y a un peu de tout. Et c'est pas les mêmes scènes. Alors maintenant, forcément, par rapport aux livres Disney qui sont vendus sur Amazon et tout ça, c'est moins détaillé. Vous voyez, vous n'avez pas le décor du fond et tout ça. Donc vous pouvez faire des fonds comme moi j'ai fait. Moi, ce qui m'éclate. Maintenant, je peut-être qu'une fois, mais là j'attends tellement de livres que c'est juste pas possible d'en acheter plus. Peut-être qu'une fois je rachèterai un Disney un peu plus sophistiqué, mais c'est pas le même prix du tout non plus. Et du coup, je me suis gourée et j'ai pris deux fois celui-ci. Voilà, donc on va se faire un petit concours. Là, je vous laisse avec le feuilletage en musique de tous les bouquins. Comme ça, vous voyez ce qu'ils contiennent. Et on se retrouve juste après, comme ça, je vous explique ce qu'il y a à faire. Pas grand-chose.
Donc voilà, vous avez vu les dessins et moi j'ai acheté deux fois celui avec Simba, je sais pas pourquoi. Maintenant ce qui est bien c'est que par rapport aux autres, c'est pas défini. Il y a Toy Story aussi, je viens de voir. Cars. C'est pas défini sur un seul dessin animé, il y a vraiment un peu de tout. C'est pas que des personnages, il y a un petit peu des animaux. Et compagnie, des personnages un peu plus fantaisistes, il y a Cars, vous voyez, ça change un peu que de tout le temps faire les mêmes. Donc voilà, alors c'est pas un énorme concours, hein, mais je me suis dit, voilà, autant vous le faire gagner à un de vous. Apparemment, il y a beaucoup de coloristes qui me suivent dans mes abonnés. Donc bah, écoutez, je me suis dit, si jamais vous les trouvez pas, ou que vous n'aviez pas celui-là, parce que je vous dis, il en existe une quantité faramineuse que j'ai vue sur Internet, parce que j'ai essayé de voir pour essayer de tous les choper, mais c'est juste pas possible, je ne peux pas avoir 20 bouquins Disney. Et donc voilà. Donc pour les modalités, c'est pas bien compliqué, bah, il faut être abonné à ma chaîne, liker la vidéo, mettez-moi un petit lion en commentaire, et vous remplissez le Google Form, voilà, il faut juste me mettre, je vais vraiment faire au minimum, hein, adresse mail, pseudo YouTube et point barre quoi, hein. Je veux dire, je vais pas épiloguer juste pour ça, vous me marquez que vous êtes, oui, je vais mettre aussi que vous êtes majeur, hein, pour me protéger moi au cas où il y aurait des ennuis, mais voilà, mettez-moi un petit lien en commentaire et likez la vidéo, vous pouvez partager également, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok, mais ça c'est tout du facultatif, c'est ce que je vous dis à chaque vidéo, donc voilà. Donc sur ce, bah, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner, hein, si jamais vous n'êtes pas encore abonné. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des belles découvertes et que le micro-concours là, vous plaira. Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais voilà, ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Tout le monde peut participer, parce que même si vous ne dessinez pas, que vous avez des enfants chez vous ou dans votre entourage, bah, ça fera toujours plaisir, ça reste du Disney. Et voilà. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire... peut-être je vous dis qu'il ne dure qu'une semaine le concours aussi, hein, on ne va pas le laisser traîner trop longtemps. Allez, je vais le mettre jusque dimanche prochain, puisque là on est vendredi en toute logique, si je ne me plante pas de jour. Jusque dimanche prochain, 23h59, quoi, comme ça vous savez. Et voilà, donc moi je vous dis bisous, bisous.